Wesh les frères, j'espère que vous allez bien, c'est Monucan de Flux, tu connais, bref, vas-y fais ce que tu veux sur la chaîne. Aujourd'hui une journée un peu spéciale parce que ouais, j'ai la tête dans le cul, en fait je viens de me lever, je me suis préparé en bombe, là je dois finir ma valise. Paris Games Week, c'est parti. Fais-moi un petit signe là. Voilà, c'est bon. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Genre, si je crie comme ça dans le micro là. Ça sature. Ok, nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et Rey, n'oubliez pas... J'en ai rien à foutre. On va tester Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu. Je tiens à préciser que cette manette que je tiens en main, elle est disponible le 16 novembre. On va voir ça tout de suite. Fatih, tu m'envoies ça? Du bruit. Oh là là, ton petit Evoli a l'air de bien se tenir là. Effectivement, nous nous retrouvons actuellement sur Roquefort. Nous sommes actuellement sur la map Pokémon en compagnie du charmant Evoli. Un combat, il a trouvé un combat. Oh, ça ce serait pas... Le corps de gros patapouf. Le corps de gros patapouf. Attention Monuc, le joueur français, Benjamin Pavard. Bruh. Attention. Je sais pas comment. Second poteau Pavard, Amdallah. Yes. Et il a une bouche de suceuse un peu, non? Alors de ce que j'ai entendu, en fait c'est un remake des anciens Pokémon, mais avec un peu un délire à la Pokémon Go. Il est très très beau. Tu valides ou pas? Non, je valide complètement. Wesh les Rey, on se retrouve maintenant encore chez Nintendo. Merci en tout cas Nintendo. On va se faire Smash Bros, c'est vraiment le jeu. Merci, je voulais tellement le faire. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, t'inquiète, droite à gauche, on a le matériel. Je vais jouer avec Béliaroth et gros patapouf. Abonnez-vous, que le meilleur gagne. Bonne chance. Je veux rajouter que après, à la fin de cette partie, Monuc, il achètera plus jamais Super Smash Bros parce que je vais mettre la branlée de sa vie. C'est vrai. Pourquoi tu suces ton micro? Parce que ça a chimé. Nous nous retrouvons dans Enquête d'Action avec des jeunes qui ne font que de faire des bêtises. Le jeune Monuc est un enfant perturbé depuis l'âge de ses 4 ans et demi. Il n'a jamais réussi à s'entendre avec le monde extérieur. Le jeune Shadix aime toucher ses tétons. Voici son histoire. Et les gars, vous arrivez à vous sucer la bite, moi j'arrive. Ça c'est bien. T'as pas l'air de se débloquer en faisant ça, lui. Mais Kenny. Mais Kenny. Priorité. Ça se revend cher ça. Oh, une barbe à pas cul. Voilà. Non, pour être plus sérieux. Voilà. Je pense que c'est toute une question. Je pense. De vision des choses, mais je pense que le pouvoir d'achat c'est une invention. Voilà. Avant qu'on nous dise le pouvoir d'achat a baissé, est-ce qu'on avait remarqué que notre fait d'acheter avait baissé? Ça vaut cher ça. Ça vaut cher, on peut prendre. On prend, allez mec. On prend. Ça vaut cher qu'un château, mec. Oui, écoutez, bon, je suis sûr. La République, c'est moi. 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 Au revoir. C'est moi. Vous ne me touchez pas.
listening to Alexander Chess music. Le cul.